Et bonjour à toutes et à tous, c'est The Voyager aujourd'hui, suite du Let's Play. Je sais plus exactement ce qu'on avait. On avait une nouvelle chose à tester. Il me semble, les deux épreuves avec une étincelliste à libérer, il me semble. Et dernier épisode, on avait libéré l'étincelliste ninja, il me semble. Bon voilà, hein, tout simplement. Aujourd'hui, bon. Je pense qu'on va tester la nouvelle transformation. Je ne sais plus c'était quoi. C'était là, c'était. On avait dit quoi? Taekwondo. Kung Fu. Le conte de Kung Fu. Allez sur scène. Et bah c'est parti. On le teste, on voit ce que ça donne. Et puis, puis let's go tout simplement. Un conte de Kung Fu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis fatigué. Vous allez m'entendre ne pas gueuler normalement. Logiquement. Et bon, et puis voilà, rien que ça à dire. En attendant ce chargement qui lag, vous connaissez maintenant. Ok, c'est bon, c'est parti. Un bon conte de Kung Fu commence. Je crois qu'il se passe quelque chose d'anormal à l'école d'arts martiaux. C'est un sensei, mais un méchant sensei. Je vous enlève un peu de lumière, je pense. Voilà. Ça vient de l'école d'arts martiaux. Pauvre minable, tu ne sais pas te défendre. J'ai failli à mon devoir. Je suis là. On peut prendre un autre chemin. Eh bah, let's go! Il n'y a pas de pause, il n'y a rien. Hein. Tant qu'on n'a pas de transformation, de toute façon, il n'y a pas de pause. On prend le plein d'argent. Ok. On gagne quoi, une gemme d'étincelle? Il y a une pause, vous pensez? Nous devons sauver le maître. Le maître est en danger. Oh. Ok, bon, on avance. La transformation, pour l'instant, on l'a pas. Il y a une porte un peu plus loin, mais... Ok, il faut leur donner le pouvoir de l'étincelle. Ah oui, ça va être rigolo, Kung Fu. On va pouvoir casser les planches, on va pouvoir casser beaucoup de choses. Wesh. Ça se fait pas. Continue sans moi. Relève l'épreuve de l'artiste. Oui. Ça, on pourra les casser tout à l'heure, je pense. Et là. Transformation numéro 53. On y est, mesdames et messieurs. Avec... Mais on avait dit qu'on gueulerait pas. On ne gueulera pas aujourd'hui. Du coup, transformation numéro 157. Peach Kung Fu, je rigole, hein, ça fait pas tant que ça, hein, bien sûr. La team premier degré, on est là. Ah oui! Peach Kung Fu. On va pouvoir casser du coup la porte de cailloux et les casseroles là qu'il y avait en bas. Elle est artiste martiale celle-là, ne la laissez pas passer. Oh, c'est marrant. Ça
ça on peut les casser, on avait dit. Oh bien. Ok, bah il le fallait. Ça on casse. Mais non. Eh, hey, on récupère une dame d'étincelle là-dessus, on a bien fait, tiens. Ok. Donc ils vont nous défendre, les petits, et nous on continue le chemin du coup. Bon. Vite par ici. Je pense avoir une once de talent. Viens un peu m'amuser avec moi. On l'a tué? Ok. Tu es moins pitoyable que je le pensais. Pff. Nous nous reverrons. Ah, bon, vous avez capté. Ah, si tu y arrives à l'école. Petite gemme. Pour l'instant, on n'en a pas raté, ça fait plaisir. Il devrait y avoir une pause. Hein. Là. Là, il y a une pause. Pour l'instant, on peut rien faire. Hein. On essaie de trouver le ruban, bien sûr. Là, il y a encore une pause ou pas? Non. Merde. Et il en manquera deux malheureusement. On aura raté une gemme d'étincelle, c'est pas grave. Ok, nouvel élément de gameplay. Moi je suis concentré, hein, je parle pas forcément. La nature s'arrête maintenant. Allez. Je pense qu'il faut faire le... Ouais. Eh, regardez. Ah, mais d'accord. Du coup, on récupère notre cœur. Il y a une pause ici. Et on descend, ok. Tac, tac, et on repart, et on s'est raté, hein. Hop, voilà, ok, bon, ça va être long, attendez, non, on est à 10 minutes, ça devrait aller, je pense. Ok, faut pas appuyer sur B, je suis un peu con, c'est la B, voilà, oh bien. On récupère le ruban. Et là on grimpe.
Nice. Bon, il y a une pause là. Ah, peut-être pas. Oh, mais on y arrive en fait. Oh, bien. Ok. On y arrive, ça y est. C'est maintenant. Sensei. Maître, nous venons nous sauver. Vous, oui, je suis bête. Nous venons vous sauver. Un petit cœur. Allez, dernier combat. Il va dire, laissez-moi en 1v1. Ah non. Ok, on est concentré, hein, bien sûr. On peut monter, ça y est. Let's go! Oh! Et le combat final? Sensei. Tu as la technique d'une artiste martiale. Parce que nous sommes impartiales. Ah non. L'ennemi est à l'intérieur. Sauve notre école. C'est rigolo avec les petites voix japonaises. Ok, comme ça on est full vie. Si! Ok. De quoi? Ouais! Oh! Et... on a gagné! C'était trop bien! J'ai adoré. La dernière, il nous en manquera deux, du coup, c'est pas grave. On a le ruban tout de même, donc ça fait un plus. Petite miniature. Peut-être, peut-être, on sait pas. Un conte de Kung Fu, on a aimé. Alors par contre, voilà, j'ai les larmes aux yeux, c'est ça qu'on veut. Alors, c'était trop émouvant, vous voyez. Non, ça me gratte, mais vous savez c'est quoi? Ça s'appelle le pollen, c'est de la merde. Hop, l'écran allait s'éteindre. 1300 pièces, c'est insane. Putain, on en a tellement, c'est abusé. Petite ellipse, on enlève la cam, mais on va faire l'épisode 2, pas du ninja, mais d'autres choses, du coup. Voilà, re tout le monde. Ça sera le deuxième de Peach Espionne, voleuse. La statue volée, on a sinon le détective, mais on le fera dans le prochain épisode, ça risque d'être long, ça risque de prendre un épisode. On mettra la cam à la fin, du coup, de là, parce qu'on a directement la transformation de Peach voleuse, voilà. Du coup, bah bon courage avec ces statues volées. Beaucoup moins de gemmes d'étincelles, l'épisode durera moins longtemps. Par contre, on ne fera rien sur cet épisode. Et prochain épisode, on fera détective. Détective. Moins 1, c'est-à-dire le sous-sol. Et on fera aussi le voleur moins 1, du coup, au sous-sol. Dans le prochain épisode, comme ça, on se donnera rendez-vous encore sur le sur-prochain épisode. Si l'épisode, ce qui est probable, hein, est fortement long. On se donnera rendez-vous pour le boss du troisième étage et une statue, j'allais dire, de Mario. Wesh! Bah, faut aller vite, hein. Oh, c'était joli ce qu'on vient de faire, let's go. Alors là il est rouge, je sais pas ce que ça fait, mais allez. On va peut-être... ok, ok, on peut s'accrocher dessus, ne plus y bouger. Wesh. Mais non, il y a eu... c'est trop rigolo. Il y a un petit Gugus qui est accroché dessus.
Le verrou. On se doutait de la pause là-dessus, let's go. Le ruban. Allez, go. Superbe. Ok. Bon, il nous reste qu'un cœur, hein, la vache. Il est très compliqué ce niveau et c'est la première fois qu'on va faire un game over. Hein. Bah voilà. Game over. Oh, c'est la première fois, tiens. Compliqué, très compliqué. On perd des pièces, attendez, parce qu'on en a pas tellement que ça. Le game over pour arriver ici. J'ai pas compris comment on les battait, quoi, c'est le problème. Bon, on avance. On a géré. Il s'est passé quoi, wesh? On a des... Non, on peut aller à gauche. Hein. On a capté qu'on pourra aller à gauche tout simplement. Peut-être. Ah, c'est pas grave. On a récupéré le plus important. On n'est pas à 3 pièces près, je pense. Même si on a vu que c'était peut-être pour la mort. Du coup, on pouvait aller à gauche, on avait vu, mais non. Mais non! Star Wars Fallen Order, si vous aviez regardé le let's play, il y a eu un moment comme ça. Wesh! Oh! Allez vite! I am mort! Merde! Shit. C'est pour ça qu'il faut qu'on tempo. Oh, alors là j'aurais tout tenté, hein. Allez, 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 allez. Wow. C'est moi. Mais non! On prend les commandes, on prend les commandes! J'ai trop envie de prendre les commandes! Non, Peach! Je pense qu'il faut descendre, du coup, logiquement. Mais non! Faut descendre, regardez, il y a un ascenseur. Wow! Attendez, mais je suis concentré, mais... Allez, allez, allez. Merde. Vite, vite. Et je les stun en même temps. Oh oui, c'est la statue, en fait. Wesh. Oh, vite, vite, vite. Faut qu'on parte. Wesh!
Non, c'est trop stylé. Wesh, 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 wesh. Oui, ça te rend trop bien. C'est fini. La statue. Et Peach, qui vole, parce que c'est une voleuse. Ah non, merde, c'est... Attendez. Oh là 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 là, c'était trop bien. Yes, I am Peach. Bon. Pouce bleu, attendez, on a quand même la statue volée. Le ruban, on l'a quand même. Et vous n'avez raté qu'une gemme d'étincelle, je sais même pas les tout. Ruban voleuse, trop mignonne. Bon, là, on a des pièces, des grosses pièces. Miam, 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 miam. À suivre. Et on va se laisser, tout simplement. Ouh, j'espère que ça vous a plu. On est à la moitié du let's play plus plus, je pense. On devrait arriver au 18e, 19e épisode vers la fin du jeu. C'est une supposition, voilà. Prochain épisode, du coup, je vous ai dit le sous-sol de voleuse, le sous-sol de détective et le deuxième étage de détective. Et l'épisode encore d'après, on aura libéré la porte. Logiquement, en ayant fait le détective dans le prochain épisode, c'est-à-dire que dans deux épisodes, le boss de cet étage, et oui, faut que je regarde ici, c'est plus simple, c'est plus rigolo, et c'est plus... on est plus proche, si je regarde, plutôt que si je regarde ailleurs, non? Donc voilà, prochain épisode, tout simplement, du coup, c'est ça, avec le sous-sol de ça, et le sous-sol de voleuse qu'on a fait tout à l'heure, bref, des bisous, portez-vous bien, comme d'habitude, les réseaux sociaux, c'est important, vous le savez maintenant, pour me faire monter. Sinon, bah voilà, hein, le pouce bleu, l'abonnement, vous savez, c'est toujours cool, le petit commentaire si ça vous a plu, ou si la nouvelle transformation Kung Fu vous a plu, je ne sais pas, bon, bref, mes bisous pour tout bien, comme d'habitude, une seule dernière chose à vous dire, c'était The Vosgien, ciao, ciao.